cette année. Ça s'est très bien passé avec Sarah. Même si au début, ça se passait pas très bien parce qu'on n'arrivait pas à communiquer, mais vers le milieu d'année et le fin d'année, ça s'est très bien passé parce qu'elle m'a écoutée. Et quand je l'aidais, c'est pas elle me repoussait, mais elle écoutait. Si elle n'avait pas besoin, elle me le disait, mais si elle en avait besoin, elle allait me demander ce que... où elle avait du mal et je l'aidais. Je crois qu'on a même dépassé nos objectifs, hein, parce que notre objectif, c'était d'avoir moins de retard et dépasser 13 de moyenne. Elle a dépassé 13 au deuxième trimestre et elle est allée jusqu'à 15 au troisième trimestre. Donc elle voulait aller jusqu'à 16 aussi. Donc je pense que oui, on a atteint nos objectifs. Parce que je vais m'occuper de moi, garder ma moyenne et aider une petite aussi à augmenter. Donc je pense que je me suis bien débrouillée parce que j'ai gardé ma moyenne de l'année dernière dans les 15 et je l'ai aidée à aller dans les 15 aussi donc, et avoir moins de retard. Donc je pense que je peux m'occuper d'une petite et de moi en même temps. L'année prochaine, si on me redemande d'être tutrice, j'accepte. Si c'est pour aider une petite qui est en difficulté, je l'aiderai. C'est comme si c'était ta petite sœur et tu devais l'aider, mais sauf que vous êtes dans le même collège, vous n'habitez pas ensemble, mais vous êtes pratiquement tout le temps ensemble, vous faites le même sport et tout ça. Donc ça te permet de grandir aussi, de t'occuper de quelqu'un d'autre et de toi-même. En tant que tutorée, ça s'est très bien passé car Jérémy m'a soutenue et elle m'a aidée. Et voilà. L'année prochaine, si jamais on me demande d'être tutrice, j'accepterai. Cette année, la deuxième saison du projet tutorat, ça s'est très bien passé. La différence que je vois entre cette année et la première année, c'est que c'est juste les filles, elles changent en fait. C'est pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes cas à gérer. Il y en a où tu peux les laisser et il y en a où tu dois t'occuper immédiatement, quoi. Moi, cette année, je me sens un peu plus à l'aise que l'année dernière. L'année prochaine, au niveau du club, je joue en U18, je passe en 3e. Je sais que ça va être encore plus difficile que la 4e, mais voilà, faut que je bosse, que ce soit aux entraînements ou à l'école. Voilà. On se revoit pour la saison 3 du projet tutorat. Ouais, ça a été assez utile d'avoir une tutrice parce que c'est un peu elle qui me motivait à chaque fois. Dans le groupe cette année, on était deux tutorés et une tutrice, mais franchement, je pense pas que ça aurait changé si j'aurais été toute seule. Elle donnait des conseils en plus, donc elle nous aidait bien. Donc je pense pas que ça aurait changé grand chose. Les objectifs, ouais, je pense qu'ils ont été atteints. Bah, parce que je m'étais donné des objectifs et voilà, je les ai réussis. Et Léna aussi, elle m'en avait donné et elle m'a dit que c'était bien. Ça va. L'année prochaine, je passe en 5e et je jouerai au PB 18 en U13 avec Laurent. Si on me propose d'être tutrice, bah, je pense que je dirais oui parce que je trouve que ça peut vachement aider les 6e. Donc voilà. En tant que tutorée, ça s'est bien passé car. Mes tutrices, elles étaient assez gentilles. Elles étaient là quand j'en avais besoin et bah voilà. Si l'année prochaine je devais être tutrice, je le ferais car mes tutrices de cette année, bah c'était bien, donc je voudrais réessayer. Essayer. Je me sens capable d'être tutrice. L'année prochaine, je serai avec Laurent en U13 région et je passe en 5e. Si cette année on me demande d'être tutrice, je le fais parce que c'est bien. Et on connaîtrait plus les 6e qu'il y a dans le club VV8. Je préfère qu'on ait une seule tutorée. C'est mieux. L'année prochaine, je rentre en 5e. Un de mes objectifs, c'est de rentrer au pôle comme Madoussou et de gagner le championnat comme cette année. Pour moi, cette année, ça s'est bien passé. Enfin, ma tutorée, elle était facile à gérer. Elle était un peu timide au début, mais après, au fur et à mesure, elle a commencé à me parler parce que j'ai su que je pouvais aider les gens et je savais pas que je pouvais aider les gens comme ça. On n'a pas atteint tous nos objectifs. Enfin, au premier trimestre, on a atteint tous nos objectifs, mais au deuxième, on n'a pas tout atteint parce que en maths, elle était dernière de sa classe, elle avait 3 de moyenne, je crois, et le troisième trimestre, je crois, il nous en restait 1. Ah, attends, après, on l'a pas attendu. L'année prochaine, je joue soit en U15 région ou en U15 France. Rendez-vous à la saison 3. Mon année en tant que tutrice, elle s'est bien passée, comme l'année dernière. J'ai fait mon travail et je suis contente. Les objectifs que j'ai eus cette année avec mes tutrices, bah, on a réussi à les atteindre. Et
C'était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé. Et c'était comme l'année dernière, donc le retour, il est de même en fait. C'est le même et voilà. L'année prochaine, je quitte le club et je vais au centre de formation. Je suis ravie puisque c'était un de mes objectifs et je veux poursuivre mon rêve. Et voilà. Durant certains week-ends, je passerai voir le club, les matchs de mes ex-tutorés et mes ex-coachs, je passerai. Personnellement, ça m'a permis d'avoir des responsabilités, de me repérer en fait. Et j'ai vraiment aimé ce projet. Si c'était à refaire, je le ferais, mais sans regret. J'ai vraiment aimé le fait de montrer l'exemple aux petites, leur montrer comment les choses se passent ici. C'était vraiment super. Je n'oublierai jamais ce que j'ai. Retrouvez ma charte. Cette année, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas trop de problèmes. J'ai su gérer mes tutorés. Quelques objectifs ont été atteints et certains n'ont pas été atteints car je suis pas très... Je suis pas très imposante, j'impose pas trop de choses. Je pense que cette année, j'ai manqué d'autorité. Si on me demanderait de refaire tutrice l'année prochaine, je pense pas que j'aurais dit oui parce que tutrice, c'est une grande responsabilité. L'année prochaine, je passe en quatrième. Je jouerai dans l'équipe de Laurent et Moussin, 15, région. Mes objectifs que je m'étais donné cette année, je les ai réussis. Tous. Et c'était un peu difficile en maths, mais sinon j'ai réussi. Si l'année prochaine on me demande d'être tutrice, j'accepterai parce que c'est... Ouais, je me sens capable de m'occuper de quelqu'un. Et voilà. Cette année en tant que tutrice, ça s'est bien passé parce que déjà j'avais une bonne entente avec ma tutorée. Et que quand elle s'est donné des objectifs, ça n'a pas été trop dur de les atteindre. Et voilà, ça s'est bien passé. Dans mes études, ça n'a rien changé en fait. Que je l'aide ou pas, ça n'a rien changé à ma scolarité. Je m'étais donné des objectifs et je les ai atteints. Si on m'aurait demandé de faire tutrice, j'aurais préféré faire organisatrice. Mais si on m'aurait dit de faire tutrice, je l'aurais fait. Mais de toute façon, je peux pas vu que je vais au pôle l'année prochaine. Donc, c'est un centre de formation du basket pour 2 ans. Et toute la semaine, sauf jusqu'au vendredi soir, et ben, je suis là-bas. Je fais mes études et je fais mon basket. Et je rentre le vendredi soir et je fais mes entraînements. Et je joue les matchs avec le club. En tant que tutrice, mon année, c'est super bien passé. Au début, je n'étais pas trop à l'aise. Franchement, au début, je n'étais pas à l'aise parce qu'elle ne parlait pas beaucoup, en fait. Ouais, ma tutorée ne parlait pas beaucoup, en fait. Elle ne s'ouvrait pas aux gens, etc. Et donc, ça veut dire que c'était difficile au début parce que des fois, quand j'allais la voir, en fait, il n'y avait pas de communication. On ne communiquait pas vraiment. Après, j'ai appris à communiquer avec elle et finalement, ça s'est bien passé. Nous avons atteint les objectifs de cette année parce que le premier objectif, c'était qu'on puisse communiquer et on a réussi à communiquer. Ensuite, c'était à l'école parce que c'était... À l'école, s'il n'y avait pas des bonnes notes au début, c'était pas bien. Mais finalement, après, ça s'est amélioré. Donc, voilà. L'année prochaine, je passe en... L'année prochaine, je passe en quatrième et je jouerai en U15 France avec Stevie. Et d'ailleurs, on va courir vendredi le 20. Et j'aimerais bien être tutrice encore une nouvelle année. Ouais, ça me le propose. Hein. Mais je sais qu'on va me proposer parce que tu peux pas. Franchement, ok. Sans commentaire. Merci à toutes et à tous pour cette 2e saison de La Réussite Scolaire, un travail d'équipe. Nous allons vous présenter les résultats du 3e trimestre. Léna. Les meilleures tutorées et tutrices, c'est Madoussou Bamba et Aïssatou Keïta, avec un score de 18,5 points pour ce 3e trimestre. La meilleure évolution a été Wofo Zita avec 13 points. Et maintenant, nous allons vous donner le classement du 3e trimestre, toutes catégories confondues. Léna. Peux-tu me donner le classement, s'il te plaît? Alors, en 4e place, Esther Kiavoloka.
En troisième place, Madusu Mamba. En deuxième place, Aïssé Koulibaly. Et à la première place, Aminata Wan. Que nous tenons à féliciter. Merci à toutes les filles qui ont participé à ce programme cette année. Merci de nous avoir suivis lors de cette deuxième saison. Rendez-vous bientôt sur notre chaîne YouTube Paris Basket 18 pour une troisième saison. Baby 18 Family! La troisième saison arrive bientôt! Ouais, troisième saison!